ses apôtres s'approchaient de Jérusalem. Une grande foule les accueillait. Jésus était assis sur un âne. Les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. On le saluait en lui criant des louanges. Gloire au Fils de Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. Hosanna, Hosanna. J'ai désiré depuis longtemps manger ce repas de trois carrés. Puis, il rendit grâce au Père. Bénit le pain et le vin. Puis partagea et dit : ceci est mon corps donné pour vous. Cette coupe est mon sang versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Jésus conduit ses amis au jardin de Gethsémani. Il fait signe à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner. Restez ici, veillez avec moi. Puis Jésus s'éloigna un peu pour prier. Père, éloigne de moi ce malheur. Mais, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Soudain, on entend des pas dans le jardin. C'est Judas accompagné des soldats romains. Celui-ci approche et embrasse Jésus pour le désigner aux soldats. Comment, Judas? C'est par un baiser que tu me trahis? Et voici que les soldats se saisissent de Jésus. Aussitôt, Judas se sent très mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je livre un homme innocent à la mort. Il jette par terre les planches d'argent qu'il a reçues pour avoir trahi Jésus. Ne pouvant pas vivre avec ce qu'il a fait, il s'enfuit et se suicide. Thank you.
next attack is at Holton Coffee 8, that prepares something. In Saint-Laurent, Saint-Proche-de-Pierre, et lui demande ce que Jésus. N'es-tu pas un des disciples de Jésus? Et s'est fait arrêter aujourd'hui. Pierre se hâte de répondre. Non, je ne connais pas cet homme. Un homme l'approche de son tour. Je t'ai vu avec celui qu'on appelle le Messie. As-tu un de ses disciples? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Enfin, une troisième personne l'approche et le questionne. Il me semble que je te connais. Tu es un disciple de cet homme qu'on a arrêté. Non, je ne le sais pas. Tu te trompes. Aussitôt, le coq chante. Coucou! Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Et, sortant dehors, Pierre pleure à ma main. C'est alors que le soldat conduit Jésus chez le grand prêtre Caïphe pour être interrogé. Au nom de Dieu vivant, je te demande de me répondre sous ce nom. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Jésus lui répond. C'est toi qui le dis. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit. Il l'interroge à son tour. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclare. Tu le dis, je suis le roi des Juifs, et mon royaume n'est pas d'ici. Ponce Pilate semble très embarrassé devant Jésus. Il le présente à la foule en disant. Je ne le trouve pas coupable. Mais la foule lui répond. Immédiatement, qu'on le crucifie. C'est alors que Ponce Pilate déclare à nouveau en se lavant les mains. Je suis innocent du sang de cet homme. Puis, il remet Jésus entre les mains des Juifs. Est donc chargé de sa croix. Sur la route,
Il est aidé par Simon de Cyrène qui l'accompagne jusqu'à l'endroit où il va être crucifié. Sur son passage, Jésus rencontre des femmes et des hommes qui pleurent de le voir condamné à la mort. Se moquait de Jésus. Si tu es Dieu, sauve-toi de là. Descends de la croix et nous croirons en toi. Par moments, Jésus est rempli de tristesse. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis, il dit à sa mère et à Jean qui est à l'heure. Maman, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Le soir venu, avec un homme riche d'Arimathie, du
du nom de Joseph. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Ponce Pilate et réclama le corps de Jésus. Joseph prit donc le corps de Jésus, le roula dans un linge propre et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Ponce Pilate, voulant s'assurer de la fermeture du tombeau et voulant éviter tout incident regrettable, plaça des soldats près du tombeau pour monter la garde. Au lever du soleil, deux femmes se rendent au tombeau. Qu'elle ne fut pas la surprise de voir la pierre sur le tombeau rouler de côté. Elle se penche à l'intérieur. Le corps de Jésus n'y est plus. Effrayée, elle court avertir Pierre et Jean. On a enlevé le corps du Seigneur. Nous ne savons pas où on le met. Cet homme que vous avez fait mourir en le clouant à la croix, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes les témoins. Que tout le monde le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. L'Esprit Saint descendra bientôt sur vous. Je serai à vos côtés jusqu'à la fin des temps. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Baptisez-les